Mission 3, salut à tous, c'est Tiob. Aujourd'hui, nouvelle mission, la mission Hérédité. Toujours le même principe, finir avec un triple S pour les succès. C'est parti! Cet endroit? Oui, je suis déjà venu là. Notre mère nous amenait souvent ici. Explique-moi tout. Certaines choses sont là depuis toujours. Les anges ont toujours existé, les démons ont toujours existé, ainsi que la guerre qui les oppose. Il y a 9000 ans, un démon est sorti du rang pour prendre le contrôle des armées de l'ombre. Le plus fort, le plus cruel. Mundus. Mais Mundus n'était pas seul. Il avait avec lui son fidèle lieutenant, son frère de sang, Sparda. Mais Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. L'union secrète d'un ange et d'un démon était inconcevable. Mais elle s'est produite, et elle fut suivie d'une naissance, celle de jumeaux, toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons, les deux races rivales. Lorsque Mundus apprit la trahison de Sparda, sa colère fut sans limite. Il pourchassa les deux amants. Tua Eva de ses propres mains, et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Châtiment et souffrance éternelle. Mais lorsqu'Eva fut détruite et Sparda emprisonnée à jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon, les Néphilim, des hybrides d'anges et de démons. Il n'en existe que deux, toi et moi. Mundus pensait qu'un seul enfant était né, mais ils étaient deux, et ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante, et Yamato pour Vergile. Alors, Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Père démoniaque, mère angélique, nous sommes des Néphilim, les seuls capables de tuer le roi démon. Bien. Comment? Un guetteur. Putain de collabo démoniaque. Tu te fais entraîner dans les limbes. Je vais chercher Kat, elle va sortir de là. Tiens bon. Ah, pourquoi c'est toujours moi qui me fais entraîner dans les limbes et pas lui? Oula, oula, oula. Ça bouge. Ah, je me suis fait toucher par quelque chose. Oh, ça l'a pas touché, je suis trop déçu. Ah, oula! Mais c'était une belle tronçonneuse, toi! Oula! En plus, il a l'air d'avoir un truc genre invincible sur le moment. Oui, mais c'est où la sortie? Je l'ai pas vu. Ah oui, c'est par là. Oula. Wow.
Alors je crois qu'il y a un petit trou dans la route. C'est... Faut que je trouve un autre chemin. Ah ouais, là c'est compliqué là. Je suppose que là on peut pas. Attends. On va tester quand même. J'aurais quand même pas fini déjà la mission. Attendez. Silver Sachs. Attendez. La banque d'investissement la plus puissante du monde. Et qui est à sa tête? Il s'agit de Kyle Ryder, le PDG. C'est l'avatar humain de Mundus, le roi des mondes. La créance est son arme pour contrôler le monde. Pour Mundus, le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âmes humaines. Il préfère que son bétail soit surveillé et docile. La surveillance se fait via Raptor News Network, un réseau mondial de télésurveillance, satellite espion et informateur. Pour ce qui est de la docilité, c'est plus insidieux. C'est-à-dire? Ce que tu tiens, la boisson la plus populaire de la planète, Virility. Il a changé la formule. T'en fais pas, ça n'a pas d'effet sur nous, seulement sur les humains. De la lobotomie en canette. C'est quoi ton plan? Voici la porte de l'enfer. C'est de là que Mundus tire son pouvoir. Lorsqu'il y est connecté, il est immortel. Il suffit de briser ce lien, et nos épées feront le reste. Et comment on fait ça? On attire son attention. Il est arrogant et impulsif. Si on arrive à attiser sa colère suffisamment, ça devrait pouvoir marcher. En résumé, pour le tuer, il faut l'éloigner de la porte de l'enfer, et pour ça, on doit le mettre en rogne. C'est à peu près ça, oui. Et tu proposes qu'on se débarrasse de Raptor News Network et de Virility? C'est ça. On commence par quoi? Toujours chaud pour la castagne. Ah ben c'était bien la fin de la mission. Là, si j'ai fait des points de style, faut pas décoller hein. 1 minute 35. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il y a un léger manque là en... On va la refaire parce que là le raccourci il est pas ouf. Hein. Alors je vais juste passer les moments de blabla. Si je peux. Voilà. Il y a une rose tout en haut, je sais pas si on l'a eu. Ah, l'esquive qui veut pas, ça m'énerve ça. Si on fait ça déjà, ça fait quoi? Ah, je sais plus comment on fait pour balancer le truc. Allez, on éclate tout ça. Merci. Ah oui, le fameux. Ah. Je l'ai mal esquivé, ça. On my way. Mais cette fois on prend pas le même chemin parce que sinon on a pas assez de points. Tu peux traverser? Faut que je trouve un autre chemin. Voilà, quelques ennemis histoire de faire des points. Ah, quelques ennemis ouais.
Ah! Merde! Hop, ça là, je l'ai pas vu. Allez, merci de vous plaquer comme il faut, les gars. Vous êtes gentils. Pas de soucis, hein. Toujours prêt à rendre service, les gars. Voilà. Pour ouvrir. Merci. Alors, ouais. Ah oui, si, voilà, c'est par là. Il ne faut pas se foirer. Encore une rose bleue. Ah ouais, d'accord, fallait attendre le... Bon, c'est pas grave, le flemme. Ah. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance. Chevron 7, enclenché. Voilà, certains auront la ref. Pour les autres, allez voir Stargate immédiatement. C'est un ordre. Ce n'est même pas une proposition, c'est un ordre. Ah, si jamais vous l'avez jamais vu, vous loupez quelque chose, mais tellement. Allez, plus vite que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le saut de l'ange, les gars. C'est, voilà, sans faire jeu de mots, sans vouloir faire de jeu de mots. Hop là. Ouf, ouf, ouf. C'est comment ça venir. C'est dégueulasse. Ah, donc. Un de plus, bah il va toujours tourner la tête vers le même côté, c'est bizarre, on a l'impression qu'on est toujours au même endroit. Ah. Elle a bien été recyclée cette animation, hein. On est quand même à la troisième. Hein. De comprendre les enjeux. Ah, j'ai loupé ma rose, c'est pas grave. Hop, bah désolé le lampadaire. J'ai loupé encore lui. Ah, c'est pas là que je voulais aller. Oh, ils sont bien vénères là. Je trouve très énervé, les gars. Oups, là. C'est bon, t'es calmé. Voilà, j'espère que ça fait mal. Tout ça pour ça, eh ben dis donc. On a finalement trouvé l'autre chemin.
Oh, salut. Merci d'avoir préparé le petit cercle. Bon, je vous refais pas l'animation de fin. Quand même, ce sera un affront. En espérant que j'ai quand même fait un peu plus de points. Voilà. Triple S, deux points de style, triple S en temps. Achievement, triple S. Forcément, pas d'objet, pas de mort. Triple S, score final. On y est arrivé, mine de rien. On y est quand même arrivé. Voilà, donc ça prend un peu plus qu'une minute trente, forcément. Plus de cinématique qu'autre chose. Voilà, donc on se retrouvera pour la mission 4 la prochaine fois. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiop. Ciao!